Madame, monsieur, bonsoir. Le journal, tout d'abord, les grands titres. Le président Fattah Sisi regagne le Caire en provenance du Koweït au terme d'une tournée qu'il avait également menée en France et au Japon. Le ministre des Affaires étrangères, Samer Chokri, assure l'engagement de l'Égypte à instaurer la stabilité au Liban. La campagne présidentielle tunisienne s'ouvre officiellement en Tunisie un mois et demi après le décès du chef de l'État, El Béjir Qaïd Sepsi. Nos informations en détail. Président Fattah Sisi a regagné le Caire en provenance du Koweït au terme d'une tournée qu'il avait également menée en France et au Japon. Chef de l'État a participé en France au sommet du G7 à l'invitation du président français Emmanuel Macron. Il s'est ensuite rendu au Japon et a pris part à la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, la TIGAD-7. Président Sisi est arrivé samedi dernier au Koweït, dernière étape de sa tournée, et ce, à l'invitation de l'émir du Koweït, Cheikh Sabah El-Ahmed El-Jaber Sabah. Le Premier ministre Dr Mustapha Madbouly a réitéré l'attachement du gouvernement à mettre en place des mécanismes et adopter des diverses décisions en vue de parvenir à des accords pour un règlement global et final du dossier des enchevêtrements financiers entre les différents ministères et les parties concernées. Ceci est intervenu au cours de sa présidence à une réunion visant à examiner et à passer en revue les derniers développements du dossier d'enchevêtrement financier entre les ministères. Au cours de la réunion, il a été convenu de signer un protocole entre les ministères de l'électricité et des finances. Le Premier ministre Dr Mustapha Madbouly avait affirmé également que les projets en voie d'exécution dans les ports d'Alexandrie et de Drela vise à améliorer la compétence des deux ports et créer une zone logistique de multiples services. Cette déclaration était intervenue lors d'une tournée d'inspection du Premier ministre Dr Mustapha Madbouly au gouvernorat d'Alexandrie, au cours de laquelle il a également inspecté un nombre d'axes de circulation liant les ports d'Alexandrie et de Drela à l'autoroute internationale. Le ministre des Affaires étrangères, Samer Chokri, a assuré l'engagement de l'Égypte à instaurer la stabilité au Liban. Cette déclaration est intervenue lors d'un appel téléphonique entre M. Chokri et le Premier ministre libanais Saad El-Hariri, au cours de laquelle les deux responsables ont discuté des derniers développements de la situation au Liban à la lumière de l'escalade des tensions entre le Hezbollah et Israël. Le porte-parole des affaires étrangères, Ahmed Hafez, a souligné que cet appel s'inscrivait dans le cadre des efforts déployés par l'Égypte pour contenir la tension actuelle et freiner les débordements sécuritaires. Le porte-parole a ajouté que la position de l'Égypte émane de sa responsabilité historique pour sauvegarder la paix et la stabilité dans la région. Le porte-parole a affirmé que l'Égypte suivait de près la situation au Liban et entame des contacts avec toutes les parties concernées afin d'instaurer la stabilité au Liban. Paris multiplie les contacts dans la région du Proche-Orient en vue d'éviter l'escalade à la frontière sud du Liban où des échanges de tirs ont eu lieu entre le mouvement chiite Hezbollah et l'armée israélienne selon un communiqué du ministère français des Affaires étrangères qui a été publié hier. L'armée israélienne et le Hezbollah ont échangé des tirs de missiles de part et d'autre de la frontière entre Israël et le Liban. Hezbollah a affirmé dans l'après-midi avoir détruit un véhicule militaire de l'armée israélienne dans le secteur d'Avivim, dans le nord d'Israël, à proximité de la frontière. Selon Israël, des tirs de missiles anti-chars du Hezbollah avaient touché une ambulance militaire sans toutefois faire de victimes, contrairement à ce qu'avait affirmé la formation armée libanaise.
Le ministère russe de la Défense a déclaré que le comité de la trêve russo-turque a observé 40 violations pour l'arrêt des opérations militaires au cours des dernières 24 heures. La Russie avait accusé les États-Unis de voler l'accord du cessez-le-feu dans la zone de sécurité d'Idleb, au nord-ouest de la Syrie. Ce, après les frappes aériennes menées par les États-Unis. Le Pentagone avait indiqué avoir mené une frappe contre des chefs d'Al-Qaïda près de la ville d'Idleb, tuant au moins 40 d'entre eux. Cette opération visait des cadres d'Al-Qaïda responsables d'attaques menaçant des citoyens américains ainsi que des civils innocents. Fin de citation. En Tunisie, la campagne présidentielle s'ouvre officiellement aujourd'hui. Un mois et demi après le décès du chef de l'État, le Belge Al-Qaïd Sepsi, un scrutin aussi indécis que vital pour l'unique pays rescapé des printemps arabes de 2011 qui doit encore consolider les acquis démocratiques. L'instance chargée des élections en Tunisie a présenté une liste finale de 26 candidats pour les présidentielles anticipées du 15 septembre qui permettra d'élire un successeur au chef de l'État décédé. Passant en Afghanistan, où 5 civils ont été tués et 6 autres ont été blessés par un tir de mortier lancé par les talibans qui a ciblé une maison à l'est de la capitale Kaboul. Entre-temps, les forces de la sécurité afghane avaient mené une série de raids aériens sur la ville de Kunduz, située au nord du pays, faisant 27 morts. Selon les responsables afghans, les forces afghanes ont également détruit des dépôts d'armes des talibans. La chute d'un avion ambulance dans une zone touristique près de Mani a fait 9 morts et déclenché un violent incendie, poussant les habitants à s'enfuir après être venus à bout de l'incendie. Les sauveteurs ont trouvé 9 cadavres dans les ruines fumantes. Vraisemblablement, les occupants du petit King Air 350. La police a déclaré que 2 personnes à terre avaient été blessées et s'étaient rapidement rendues à l'hôpital, mais n'a signalé aucun mort parmi les personnes se trouvant dans la station touristique quand l'avion s'est écrasé. La zone où l'avion s'est écrasé compte de nombreux hôtels affichant tout complet durant le mois ou les mois les plus chauds de l'année. Dans notre rubrique économique, on commence par les indices de la bourse égyptienne qui ont enregistré une hausse collective lors de la séance d'aujourd'hui qui a été soutenue par les achats des institutions locales. L'indice principal UGX 30 a haussé d'environ 1,1% pour dépasser le niveau des 15 000 points. UGX 30 CAPED a également haussé de 0,1%. Pour les indices secondaires EGX 70 et EGX 100, ils ont successivement haussé de 8% et de 1,1%. Le ministère du pétrole et de la richesse minière a souligné le forage de 10 puits au désert occidental, dans la région navale à l'est. Ces puits à production moyenne de 5000 barils par jour ont été placés sur la carte de la production dans un temps record. Un plan de développement a été élaboré dans cette zone, s'estimant à 237 millions de dollars lors de l'exercice financier 2019-2020.